Oh, bienvenue les petits cailloux, c'est Pierre qui roule. Alors, on est à nouveau sur le Game Brut de Microsoft Xbox pour tester un jeu qui vient de sortir. Ça s'appelle Killer Instinct et franchement, hein, au graphisme, on voit que c'est un jeu de 2023 qui est digne d'une série X tout de suite avant même de lancer le jeu. Ouais, on joue sur Master System. Non, pardon, j'ai quand même voulu. On joue sur Mega Drive. Et là, par contre, c'est vachement long. Et c'est pas ma faute. Synchronisation avec le serveur Ultra Tech. Vérification du contenu téléchargé, synchronisation des shadows. On est sur Série X, hein, ouais, on y croit. Bon, c'est quand ils veulent. Ah! On peut pas sauter si on veut. Alors, Killer Instinct, c'est un jeu qui date de quelle année? On va tout de suite regarder sur Gogol, qui est mon ami. Alors, c'est Gogol, c'est Killer Instinct Anniversary Edition, hein, qui est disponible aujourd'hui dans Game Pass. Hein. Mais sinon, Killer Instinct, ça date de 1994, les enfants. On est en 2023 et on teste des jeux du siècle dernier sur une Xbox Series X qui m'a coûté 500€. Et vous payez 15€ le prix fort pour le Game Pro de Microsoft Xbox. 15€ plein barre. Hein. Alors les gens ils vont se dire, wow, c'est que 15€, ouais, multiplié par 12, ça fait combien? Regarde un peu. Et puis, c'est toi qui paye avec ton dur labeur ou bien c'est papa-maman qui paye ou ton trafic de drogue qui paye ça? Hein? Ou tes allocs? Voilà. Alors. Je sais pas ce que c'est Shadowlord, bon, c'est mon jeu. Et puis de toute façon, c'est un jeu d'arcade, hein, comme on jouait au siècle dernier sur les bonnes bandes d'arcade dans les salles de jeux vidéo, ça c'était marrant. Et on jouait des jeux de baston et on se tapait dessus virtuellement, c'était marrant aussi. Voilà. Another dimension. Drake, la musique, ça me fait jacher ta musique. It is ruled by the evil tyrant Gargos. Long ago, the other astral beings resisted this Shadow Lord, but he slew them all and stole their powers. Good creatures known as guardians fled from Gargos and his minions, escaping to other dimensions, and they sealed the astral plane behind them. So that the corruption of Gargos could never taint another world. Until the sorcerer Khan-Ra reopened that door, manipulated by Gargos' powerful mind control. Now Gargos is invading the Earth with his army of duplicate fighters called Mimics. This twisted demigod must be stopped, or he will enslave the human race forever. Meanwhile, in San Francisco's Chinatown, the Kung Fu master Kim Wu has inherited one of the last free astral beings, the Dragon Spirit, and Gargos will stop at nothing to take it from her. The warrior monk Jago is no stranger to the treacheries of Gargos. He comes from an alliance of Killer Instinct and Ultratech fighters, and he asks Kim to join their war against the merciless Shadow Lord. An astral portal opens, spewing forth a demon of Gargos, sent to eliminate Kim Wu and Jago. Thank you.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez vu une belle bande-annonce, hein, c'est super. Oh, puis en plus, il y a du baratin, la con. C'est parti. Donc, on va devoir taper sur le voisin. Je ne m'aime pas du tout. Alors. X, coup de poing. B, Y, ouais. O. Oh, je déteste ce type de jeu. J'essaye de passer tellement ça me fait chier. Oh là là, c'est chiant. A mysterious power draws Jago to the portal. He enters and then vanishes. Arriving in the astral plane, he is dropped at the feet of Gargos. Why do you aid these pitiful earth beings, Jago? It is time for you to join your brothers by my side, and together we can rule this universe for eternity. But Jago will never again bow to the hated Gargos. Est-ce qu'on peut revenir en arrière et rater ce jeu de merde? C'est putain, c'est sur le Game Prout, c'est cette merde. Ce jeu est sur le Game Prout, les enfants. On est en 2023, vous avez claqué 500€, voire 550€ pour une Xbox Series X. Et vous avez des jeux de 1990, du siècle dernier. Mais non, mais foutez ma gueule, même à 15€ par mois, ça va pas, non? Ça va pas, bande de tarés, quoi. Putain, jeu de merde. Putain. Voilà, super. Vous avez bien remarqué que c'était pas moi qui l'avais tapé. Nemesis, but he was tricked. Gargos was merely toying with him. The Shadow Lord reveals his new and even more powerful self. Jago summons all of his remaining shadow energy for a final desperate attack. But the Shadow Lord is too powerful, and Jago is blasted through the portal, scattering shadow energy across the globe. A mimic Kim Wu has emerged from the portal along with Jago. Kim must destroy her copied self or die. Kim has defeated her mimic, and it drops astral items. The nefarious sorcerer Conrad, a wielder of ancient magics, he tells Kim that the Killer Instinct fighters need her help to build a weapon capable of defeating Gargos. Conrad teleports Kim and Jago to his lair, avoiding the wrath of Gargos for now. Welcome, Miss Wu. I have brought you to my emporium out of necessity. Jago. Give me the item dropped by the mimic, and I will give you a relic to heal him. Quickly, there is no more time. Jago's spirit is almost gone. Là, je laisse la vidéo pour faire beau, hein. Comme ça, les gens ils sont contents, ils ont une belle vidéo.
excellent specimen. Ouais, c'est la preuve que ça me fait vraiment chier. On peut pas partir. Oh non, putain, merde, c'est encore... Et comment on fait pour... Bon, succès, ça vous renvoie sur le nombre de succès. Il y a 464 succès. Putain, il y a combien? Il y a 4935 G et 465 succès sur ce jeu. Oh putain. Il va falloir envie, hein. Putain, il va falloir vraiment envie. Oh là là là. Et on peut pas. On peut plus pousser. Oh, revenir à l'accueil. On va me laisser mourir, c'est pas grave. Tue-le, 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 tue-le. Très bien. Vas-y, tue-le, 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 mon gars. Voilà. Fait pour dégager de là. Ah non 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 non. Oh là là, oula oula oula. Oula oula oula. Alors j'ai dû couper, je suis désolé, j'ai dû couper, on peut même pas revenir à l'accueil, on peut même pas quitter le jeu, vous avez ça. Ça c'est vraiment les jeux de merde de l'ancien temps, je m'excuse hein, mais bon. Hein. C'est bon quoi, c'est pas un jeu sur Xbox. On est sur Series X, on est en 2023, j'ai claqué 500€ pour jouer à des jeux de merde du siècle dernier, c'est bon quoi. C'est vraiment de la merde, c'est de la merde, c'est un jeu de merde à 500% validé, digne du catalogue des 99% de jeux de merde qu'il y a dans le Game Pro de Microsoft, c'est vraiment de la merde. Enfin, donc j'ai dû couper pour revenir à l'accueil, hein. C'est parce qu'on peut même pas revenir en arrière. Hein. En plus, vous avez ça là qui dure éternellement longtemps. Ça, on se fait chier, on se fait chier avec des jeux de merde. Vous sortez sur un catalogue 1% qui sortent du lot. Qui sortent du lot, 1% qui sortent du lot. Et ça veut pas dire que les 1% sont dignes d'une série X et d'une console, soit disons next-gen avec des graphismes de ouf. Non. Donc, c'est pour vous montrer, vous avez un solo, vous avez un multijoueur, vous avez évidemment une boutique alors. Boutique d'un jeu de 1994, ils veulent encore se faire du fric maintenant avec des jeux de merde pareil. Alors ils appellent ça Killer Instinct édition machin chouette sur les réseaux sociaux, mais c'est
c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Ah, vous avez des boosters d'XP? Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, d'accord. Bon, bah dans vos goals, c'est happy to win, quoi. Ouais, bon, bah sur ce... Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien, et à plus dans l'Airbus, les petits cailloux, c'est vraiment encore un jeu de merde. Validé à 500%. Allez, bye bye, ciao ciao. Putain, que de la merde. Game Prout.